Et voilà le Venti Plus de Knaus qui s'appelle Cozy Cottage chez Rod Surfer. Et je vais te montrer à quoi il ressemble de l'intérieur. Pour monter, tu as un marchepied super pratique que tu peux sortir et rentrer à l'aide de ce bouton. Pour monter dans le véhicule, nous le sortons car l'accès est vraiment haut. Bienvenue dans ton salon et ta salle à manger. Dans ton espace de vie, tu ne disposes pas seulement de sièges et d'une table, mais aussi d'une grande cuisine spacieuse, d'une immense chambre à coucher et d'une salle de bain avec douche et toilette. Dans ta cuisine, tu as une cuisinière avec deux plaques de cuisson au gaz, un évier avec de l'eau courante, un énorme réfrigérateur avec même un congélateur en haut. En outre, tu as beaucoup d'espace de rangement. Ce grand tiroir ici en haut et d'autres, par exemple ici pour des couverts, un compartiment ici en haut, ici pour des aliments, ou bien ranger des assiettes et des tasses par exemple. Pour ouvrir les tiroirs et le compartiment ici en haut, tu dois appuyer une fois sur le petit bouton ici et les tiroirs et casiers s'ouvriront. Tu peux encore agrandir ton plan de travail ici en tirant ce volet vers le haut et pour le rabattre, tu tires ici sur cette barre et tu peux alors le rabattre. Tu as ici un interrupteur pour les différents espaces. Ici par exemple, tu peux éclairer la cuisine, ici la salle à manger, la chambre et ici encore d'autres lumières pour l'intérieur. Tu as aussi trois prises de courant. Elle ne fonctionne toutefois que si le Cozy Cottage est raccordé au courant externe. Pour cuisiner, tu as besoin de gaz. Pour cela, ouvre la grande bouteille de gaz à l'arrière et une fois que tu l'as fait, tu trouveras un autre robinet de gaz, celui de la cuisinière, avec le logo de la casserole. Tourne-le une fois de manière qu'il soit à la verticale et que la casserole soit à l'endroit. Le gaz s'écoule maintenant vers la cuisinière et c'est là que tu as l'allumeur. Il suffit de cliquer une fois dessus, de tourner les molettes et d'allumer ainsi les deux plaques de gaz. Pour éteindre à nouveau la cuisinière, il suffit de tourner les molettes dans l'autre sens. Et n'oublie pas de fermer le robinet de gaz ici après avoir cuisiné. Pour avoir de l'eau courante, il faut bien sûr qu'il y ait suffisamment d'eau dans le réservoir d'eau fraîche, puis régler cette pompe, la pompe à eau. Il suffit de cliquer une fois sur le robinet, le voyant s'allume, la pompe fonctionne et tu as de l'eau courante dans l'évier lorsque le réservoir d'eau est rempli. N'oublie pas d'éteindre la pompe avant de reprendre la route pour éviter qu'elle ne se casse. Pour allumer le réfrigérateur, il faut appuyer sur ce bouton ici pour le mettre en route. Maintenant, le réfrigérateur est allumé. Si tu cliques sur ce bouton et que tu le maintiens enfoncé, tu peux alors choisir les différentes sources d'alimentation du réfrigérateur. Ici le gaz, si nous revenons en arrière, la deuxième batterie. Ici, si tu es branché à l'électricité, alors c'est automatique. Le réfrigérateur se sert simplement de l'électricité qu'il consomme ou qui est disponible à ce moment-là. Si tu veux que le réfrigérateur fonctionne au gaz, tu dois bien sûr avoir ouvert la grande bouteille de gaz à l'arrière et avoir ouvert l'arrivée de gaz pour le réfrigérateur ici. Il est fermé et ainsi le gaz pour le réfrigérateur est ouvert. N'oublie pas d'appuyer sur l'interrupteur lorsque tu n'as plus besoin de gaz. Si tu cliques encore une fois, que tu le maintiens enfoncé jusqu'à ce qu'il clignote et que tu appuies encore une fois dessus, tu peux choisir ici les niveaux de froid du réfrigérateur. 3, c'est toujours bien, tu peux confirmer la sélection ici. Maintenant, le frigo est allumé. Dans ton salon, tu as une fenêtre de toit que tu peux également ouvrir. Ici, tu l'ouvres et tu la refermes. De plus, tu as des moustiquaires partout et des stores occultants dans tout le véhicule, comme ici par exemple. De plus, tu as des compartiments de rangement partout et des prises de courant réparties dans tout le véhicule qui fonctionnent lorsque tu es branché au courant externe et des ports USB qui fonctionnent en permanence.
Voici ton coin salon et ton coin repas. Tu peux même agrandir la table en tirant une fois sur le bouton noir. Tu peux alors allonger le plateau de la table. Tu as ainsi beaucoup de place pour t'asseoir confortablement tous ensemble, même à quatre, car les deux sièges avant peuvent être retournés. Je vais te montrer comment cela fonctionne. Pour cela, il faut d'abord tirer le siège un peu vers l'avant, mettre le dossier en position verticale, et il y a ensuite un levier sous le siège. Tu le tires sur le côté et tu peux alors facilement retourner le siège. Et maintenant, tu as beaucoup de place ici et tu peux facilement t'asseoir à quatre. Bienvenue dans ta chambre à coucher avec un lit géant. En bas, tu as encore deux compartiments de rangement, tes armoires à vêtements pour ainsi dire. Mais bien sûr, il y a aussi beaucoup d'espace de rangement en haut. De plus, tu as aussi deux fenêtres sur les côtés que tu peux ouvrir. Tu as des moustiquaires devant chaque fenêtre pour que tu puisses voir le ciel étoilé la nuit. Tu as même ici une fenêtre que tu peux ouvrir. Tu peux aussi obscurcir chaque fenêtre. Pour ouvrir la fenêtre, si tu tires une fois cette barre vers le haut, tu peux ouvrir la fenêtre et la bloquer à différents niveaux et bien sûr la refermer. Ici aussi, il y a des moustiquaires et un rideau occultant. Tu as également deux lampes de lecture et plusieurs interrupteurs qui te permettent non seulement d'allumer et d'éteindre la lumière dans la chambre, mais aussi de contrôler la lumière dans tout le Cozy Cottage. En haut, il y a encore une prise de courant qui fonctionne lorsque le camping-car est branché sur le courant externe et un port USB qui fonctionne toujours. Pour te faciliter l'accès au lit, tu as même une échelle ici. Tu peux l'accrocher ici. Et maintenant, tu peux t'installer dans ton grand lit super confortable. Voici ta salle de bain avec douche, toilette et fenêtre. Si tu ouvres la moustiquaire ici, tu peux même ouvrir la fenêtre en appuyant une fois sur ces dispositifs gris et en faisant glisser la fenêtre vers le haut. Et tu peux aussi la refermer de la même manière et remettre la moustiquaire. Ici, tu n'as pas seulement un miroir et un lavabo, mais aussi une douche. Pour pouvoir l'utiliser, il faut soulever ce levier sur le côté. Tu peux alors déplier la paroi de douche. Veille à ce que le pommeau de douche et le robinet soient poussés sur le côté. Tu peux maintenant rabattre la paroi sur le côté, prendre une douche et faire de même en la rabattant. Pousse la poire de douche sur le côté, pousse le robinet sur le côté et tu peux ensuite replier la paroi. Et tu peux alors facilement réutiliser la poire de douche comme robinet. Il suffit de repousser le tuyau avec précaution. Pour avoir de l'eau courante et de l'eau chaude dans la salle de bain, tu dois le régler ici sur l'ordinateur de bord et plus précisément ici, tu as la pompe à eau. Lorsque tu cliques dessus, le petit voyant vert s'allume. Maintenant, la pompe à eau est branchée. Et pour avoir de l'eau chaude, tu dois allumer le chauffe-eau. Pour ce faire, clique sur cet écran. Clique une fois sur la molette, tourne la molette jusqu'à ce que le chauffe-eau s'allume, puis clique une fois. Tourne à nouveau la molette et tu peux maintenant choisir Boost, Hot ou Echo. Si tu choisis par exemple Echo, il faut environ 10 minutes pour que l'eau soit chaude dans la salle de bain. N'oublie pas d'éteindre le chauffe-eau en tournant la molette, en cliquant sur Off et aussi en éteignant la pompe à eau pour ne pas la casser. Tu dois également allumer la pompe à eau lorsque tu vas aux toilettes pour que la chasse d'eau fonctionne. Voici tes toilettes, je vais te montrer comment ça fonctionne. Avec ce levier, tu ouvres le clapet de la cassette des toilettes. Voici ta chasse d'eau. Si tu cliques une fois dessus, la chasse d'eau est tirée une fois. S'il y a de l'eau dedans, il n'y en a pas en ce moment. Et ici, sur cet écran, tu peux voir à quel point la cassette des toilettes est pleine.
Si le voyant en haut s'allume en rouge, cela signifie que la cassette est pleine et que tu dois la vider. Je te montrerai comment faire dehors. Et quand tu as fini, actionne l'interrupteur ici. Le clapet se referme et tu peux refermer le couvercle des toilettes. En haut, tu as un porte-serviette très pratique. Ici, tu as là aussi beaucoup d'espace de rangement pour le dentifrice, la brosse à dents, le gel douche, etc. Ici, tu as plusieurs interrupteurs qui te permettent non seulement d'allumer et d'éteindre la lumière dans la salle de bain, mais aussi dans différentes pièces du van. Et ici, je trouve que c'est super pratique. Tu as un conduit d'aération du chauffage autonome pour qu'il fasse bien chaud et douillet dans ta salle de bain. Ceci est ta climatisation. Pour la régler, clique une fois sur ce bouton et voilà la télécommande. Tu l'allumes ici, la climatisation fonctionne et en cliquant sur ce symbole, tu peux régler la puissance de la climatisation. Tu le vois à cette barre. Maintenant, elle est réglée au minimum et ici, tu peux choisir la température. Je vais choisir 19 degrés, c'est bon. Maintenant, la climatisation fonctionne. Et pour l'éteindre, il suffit de cliquer à nouveau sur ce bouton. Tu as ici tes deux ordinateurs de bord. Grâce à eux, tu peux par exemple allumer et éteindre les lumières, le chauffage stationnaire ou le chauffe-eau. Ici, l'ordinateur de droite est par exemple responsable de l'électronique. Tu l'allumes et tu l'éteins ici. Si tu cliques une fois sur « Check », tu peux voir ici le niveau de tes réservoirs ou de tes batteries. Ici, à gauche, tu vois le réservoir d'eau fraîche, qui est actuellement vide, à 0%. Ici, tu vois le réservoir d'eau usée. Il est également vide à 0%. Ici, tu vois la batterie de démarrage et ici, la deuxième batterie. Maintenant, par exemple, nous sommes branchés sur le courant externe et c'est pourquoi cette petite lampe s'allume ici, en haut. Tu as encore une lumière ici, en haut. Si tu l'allumes, alors le bas du marchepied est éclairé. C'est bien sûr très pratique, si tu dois sortir du van la nuit. Ensuite, tu as un autre écran de contrôle. Pour l'allumer, il suffit de cliquer une fois sur cette molette. Ce qui s'allume ici, c'est le chauffage stationnaire. Quand tu veux l'allumer, tu cliques ici sur ce symbole. Il est maintenant éteint et si tu tournes la molette, tu peux choisir le niveau de chaleur souhaité. Je choisis 20 degrés. Je confirme. Et maintenant, le chauffage autonome est allumé. Ici, tu vois encore le ventilateur sur cette molette. En cliquant une fois dessus, tu peux choisir la puissance du chauffage. High, s'il doit chauffer particulièrement vite, mais nous pouvons aussi régler écho et confirmer. Voici les conduits d'aération du chauffage d'appoint afin que l'air chaud puisse aussi entrer dans le camping-car. Ne place pas de valise ou de bagages devant ces orifices afin que l'air chaud puisse pénétrer rapidement dans ton véhicule. Si tu tournes encore une fois la molette dans le sens inverse, tu vois ici le chauffe-eau, il est allumé en ce moment. Je vais alors l'éteindre. Tu vois que le chauffe-eau est actuellement éteint et si tu tournes la molette, tu peux par exemple choisir Boost ou Hot ou Echo. Si tu choisis Echo et confirme, il faut environ 10 minutes pour que l'eau de la salle de bain soit chaude et que tu puisses prendre une douche chaude. Je vais maintenant éteindre le chauffe-eau. Il suffit d'aller dessus, de tourner la molette et de confirmer sur Off. Et pour éteindre le chauffage autonome, va sur le camping-car jusqu'à ce qu'il clignote, confirme une fois, tourne tout à gauche vers le bas, jusqu'à off, puis confirme. Maintenant, le chauffage autonome est à nouveau éteint. Et c'est par ce symbole que tu quittes le menu de l'écran de contrôle. Tu as ici la lumière extérieure. Si tu cliques une fois vers le haut, la lumière s'allume, elle s'éteint. Et si tu cliques vers le bas, tu as un détecteur de mouvement à l'extérieur. La lumière ne s'allume alors que si tu passes devant ou si un chat passe devant. Si tu tires le frein à main, il est normal qu'il redescende, il est quand même serré. Mais avant de repartir, il faut absolument penser à desserrer le frein à main. Pour ce faire, il suffit de le tirer une fois vers le haut, d'appuyer sur ce bouton et de le maintenir enfoncé, de continuer à tirer le frein à main vers le haut, puis de le laisser retomber en appuyant sur le bouton. Tu peux obscurcir toutes les vitres de ton cozy cottage.
Pour cela, tu disposes de différents stores que tu peux facilement fermer et bien sûr ouvrir à nouveau. Le store pour la grande vitre avant se trouve ici. Pour les fixer, il suffit de les écarter et de voir les crochets qui s'accrochent juste ici. Pour cela, tu rabats le panneau, tu le fais glisser sur le côté. Tu peux ensuite accrocher ici le rideau des deux côtés. Tu rabats ensuite les bords par-dessus et tu as ici sur le côté une barre magnétique sur laquelle tu peux simplement accrocher le rideau et tu peux également obscurcir les fenêtres latérales. Pour ce faire, il suffit de cliquer une fois ici avec les deux doigts, puis de tirer l'occultation vers l'avant et de le clipser ici. Les bouteilles de gaz se trouvent ici, derrière cette trappe. Tu as besoin de gaz pour cuisiner, pour faire fonctionner le chauffage d'appoint et pour faire fonctionner le réfrigérateur. Pour sortir les bouteilles, il suffit de tirer sur le bouton noir. Si tu le tires vers le haut, les bouteilles de gaz viendront à ta rencontre. Et si tu veux utiliser le frigo, le chauffage stationnaire ou cuisiner, tourne la molette vers la gauche et appuie une fois sur la soupape de sécurité noire. Le gaz s'écoule alors dans le camping-car. Il est très important de se rappeler que lorsque tu n'as plus besoin de gaz, tu dois refermer la valve en haut à droite. Si la bouteille est vide, tu as toujours une deuxième bouteille de gaz avec toi. Pour remettre les bouteilles en place, il suffit de tirer le bouton noir vers le haut et de les remettre en place. Ton coffre est ici, au fond, et tu peux l'ouvrir des deux côtés. Tu as beaucoup d'espace de rangement, tu peux emporter beaucoup de choses. De nombreux équipements de camping seront aussi mis à disposition. Par exemple, une table d'extérieur, deux chaises, des cales de mise à niveau. Si tu n'es pas au plat, la manivelle pour déployer la marquise, une barre pour abaisser le porte-vélo et une kitchen box très pratique remplie de tous les ustensiles de cuisine. Il y a tout ce dont tu as besoin pour cuisiner et manger. Par exemple, des assiettes, des tasses, des casseroles et une cafetière expresso. Tu y trouveras également la boîte à fusibles, l'interrupteur principal et même une prise de courant super pratique qui fonctionne lorsque tu es branché sur le courant extérieur avec le câble électrique. Et tu y trouveras même de la lumière qui fonctionne toujours. Tu trouveras un câble électrique au fond du coffre. Et ici, sous cette trappe, tu peux te brancher au courant externe. Tu as également ici l'aération du chauffage stationnaire et juste en dessous, tu trouves la cassette des toilettes. Quand elle est pleine, il faut bien sûr la vider. Il y a des aires dédiées à ces services dans les campings. Si tu tires ce levier vert une fois vers le haut, tu peux alors la sortir. Pour vider la cassette, tourne le tube ici vers l'avant, ouvre le couvercle et ensuite soulève un peu la cassette. Dans un angle oblique, et tu appuies ici derrière sur le bouton vert. Tu peux alors vider la cassette. Et quand tu as fini, referme le tube ici devant et tourne-le à nouveau sur le côté. Comme ceci, tu peux alors ranger la cassette ici. Sous cette trappe, tu trouveras le réservoir d'eau fraîche. Pour le remplir, il suffit de tourner cette molette bleue et de remplir jusqu'à 100 litres avec un bidon d'eau ou un tuyau d'arrosage. Et pour vider le réservoir d'eau fraîche à la fin de ton voyage, tu vois ici ce levier gris. Tu le pousses une fois sur le côté ou inscris « Close and Open ». Et quand tu l'as ouvert, l'eau fraîche s'écoule par ici. Pour refermer le réservoir, tourne à nouveau le levier sur le côté. Ensuite, tu vois ici en haut encore une molette grise. Si tu la tournes, le réservoir d'eau se vide jusqu'à 10 litres.
C'est très pratique si tu veux garder de l'eau dans le réservoir et ne pas continuer avec un réservoir plein. Pour pouvoir remplir à nouveau complètement le réservoir d'eau fraîche, n'oublie pas de refermer la molette. Et juste à côté se trouve le réservoir d'eau usée. N'oublie pas de le vider à la fin de ton voyage. Il y a aussi une indication open. Les eaux usées s'écoulent alors par le bas. Et lorsque le réservoir est vide, tu peux refermer le levier ici et fermer le réservoir d'eau usée. Ce bouton bleu est la vanne de sécurité anti-gel. S'il fait moins de 6 degrés, elle s'active d'elle-même et pour éviter que les conduites ne gèlent, l'eau est évacuée. Si tu veux prendre une douche ou cuisiner, tu as bien sûr besoin d'eau. Tourne alors la molette bleue en haut et appuie sur le bouton ici. L'eau peut alors couler à nouveau dans la conduite et tu peux à nouveau prendre une douche ou cuisiner. Ensuite, tu as ici tes deux réservoirs. En haut derrière cette trappe, le réservoir de diesel et juste en dessous, le réservoir d'AdBlue. Il faut faire le plein d'AdBlue tous les 15 000 km environ. Quand c'est le cas, cela s'affiche sur l'ordinateur de bord. L'AdBlue est disponible dans toutes les stations-service et tu peux en faire le plein ici. C'est ici que se trouve ta marquise. Et pour le déployer, tu as besoin d'une manivelle que tu trouveras ici dans le coffre. Comme c'est assez haut, tu peux la rallonger ici. Ouvre-la, déploie-la et referme-la. Ensuite, mets-la dans ce dispositif et commence à tourner la manivelle. L'auvent se met à sortir. Tu peux d'ores et déjà voir les pieds du store. Tire simplement les languettes sur le côté et tu peux alors retirer les pieds. Et pour les mettre en place, le mieux est de placer le pied ici en bas et de relever ensuite ses leviers complètement vers le haut. Si c'est un peu difficile ou si tu as l'impression qu'il va se casser, pas d'inquiétude, c'est normal. Et ici aussi l'autre pied, il suffit de se placer avec le pied en bas et de cliquer ensuite le levier jusqu'en haut et tu peux continuer à tourner. Ensuite, avance les pieds un peu plus vers l'avant jusqu'à ce que l'auvent soit complètement déployé. Et pour que ce soit vraiment confortable sous l'auvent, tu as bien sûr avec toi une table et deux chaises fournies par Road Surfer. Elles sont dans le coffre, je vais les chercher.